Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la généalogie des gnomes. On avait fait pas mal de races jouables et il est vrai qu'avec le SOS RP que je vous laisserai bien sûr en description si vous ne l'avez pas vu, eh bien ça m'a donné envie de faire la généalogie des gnomes. Sachant que comme la généalogie des gnomes est assez courte, eh bien je me suis dit qu'on allait cumuler deux vidéos prévues, à savoir la généalogie et l'histoire des gnomes en une seule. Donc aujourd'hui ce sera généalogie et histoire des gnomes. Comme je le disais, on en a parlé un petit peu dans le SOS RP sur les gnomes, enfin plus qu'un petit peu d'ailleurs. Donc globalement, les gnomes, pour caricaturer, c'est vrai que c'est une race jouable qui est assez connue pour être une race pleine d'ingéniosité et de création, le point fort de cette race étant son grand intellect. Et ce grand intellect se décrit et se traduit tout simplement par justement une capacité à faire marcher leurs méninges et donc à être extrêmement créatif et extrêmement ingénieux. Mais quand on dit ingénieux, ça sous-entend du coup directement de l'ingénierie, etc. Ingénieux même dans leurs plans, même dans leurs idées, même dans leur manière de percevoir le monde en fait. Et donc, eh bien, c'est ce qui fait d'eux de très grands explorateurs, toujours très optimistes et surtout très curieux, qui fait d'eux d'enthousiastes aventuriers, cherchant toujours plus loin à repousser les limites du possible. Et il faut pas oublier d'ailleurs qu'au sein de l'Alliance, puisque c'est une race qui est majoritairement du côté de l'Alliance, on a quelques gnomes morts-vivants chez les réprouvés, mais globalement c'est une race de l'Alliance. Et en l'occurrence, eh bien, ils font partie des plus grands éclaireurs de l'Alliance, notamment dans Warcraft 2. Il n'y a pas que les elfes, mais ça on en reparlera plus tard, puisqu'on va essayer de faire une approche chronologique des gnomes. Et au départ, comme vous le voyez avec cet arbre, nous allons commencer par les méca-gnomes, puisque l'histoire des gnomes remonte aux êtres cosmiques, hein, les titans. Je sais qu'il y aura pas mal de vidéos, puisque comme c'est une vidéo d'histoire, il y a certains points sur lesquels on revient, notamment l'ordonnancement d'Azeroth, mais je vous mettrai tout ça en description pour que vous puissiez avoir les liens concernés. Donc, cela remonte aux êtres cosmiques, les titans, bien entendu, qui ont créé tout simplement des avatars d'eux-mêmes en infusant une partie de leur puissance dans ces avatars afin d'ordonner le monde à leur image. Et en l'occurrence, ces êtres sont les gardiens. Alors, leur nombre n'est pas forcément défini, il y a beaucoup de monde, même si ça reste quand même quelque chose de poigné, même si gardien peut être utilisé aussi pour les créations des gardiens, qui sont aussi des créations des titans, mais d'une moindre mesure, les gardiens étant un petit peu justement les tauliers, les capitaines du bateau. Mais nous avons donc eh bien, des complexes titans qui vont être créés un peu partout sur le monde d'Azeroth pour pouvoir justement aider à l'ordonnancement du monde par les titans. Et en l'occurrence, eh bien, ces gardiens vont devoir être les têtes, les chefs de file des forgés par les titans. Et les forgés par les titans peuvent prendre plusieurs apparences, hein. On a par exemple les mogus, on a les terrestres, et nous avons également les méca-gnomes. Et les méca-gnomes, ils sont attachés spécifiquement à un gardien. C'est tout simplement le gardien Mimiron. Mimiron, c'est un gardien qui lui aussi aime bien l'ingénierie et qui doit s'occuper un petit peu de tout ce qui est maintenance des complexes titans. Et donc pour l'aider, eh bien, il va créer les méca-gnomes originels, qui sont des sortes de robots. Alors, des robots un peu particuliers, qu'on soit clair, hein, c'est pas non plus. Bon, ça reste très science-fiction, bien sûr, comme thème, mais en l'occurrence, c'est vraiment l'idée d'avoir des êtres donc mécaniques. Donc, c'est comme des terrestres, hein, au final, mais en métal, qui. Après, certains terrestres, de toute façon, sont en métal, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, eh bien, ce sont des sortes de robots ayant pour but la construction et la maintenance des complexes titans, sous la charge bien sûr de Mimiron. On peut d'ailleurs déplorer le fait que les qu'aucun titan ne soit vraiment spécifique aux gnomes, puisque malheureusement Mimiron est un gardien qui tire son essence de Norganon, hein, le titan de la magie. Et en fait, bah, c'est pas le seul gardien qui tire son essence de Norganon, puisque nous avons aussi Loken, qui lui n'a rien à voir, il est plus connecté aux nains, etc. Et pour le coup, lui, eh bien, il a aussi tiré son énergie de Norganon, donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un titan qui aurait été un petit peu plus, voilà, spécifiquement un titan de la recherche, etc. Et qui, alors, ça veut pas dire non plus un énorme geek en soutane, mais juste un autre titan en fait. Parce que du coup, avec le délire des gardiens, c'est vrai qu'ils se sont divisés avec pas mal de monde. Ça avait déjà commencé avec les aspects dragoniques avant déjà, mais du coup, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas de véritable titan qui représente les gnomes, comme c'est le cas pour les nains, par exemple, avec Khazgoroth. Même si, bon, tous les titans sont censés représenter les nains.
au final, nous avons donc Mimiron. La plupart des gens ignorent cela, mais Mimiron, en fait, eh bien, il ne ressemble pas à ça. Mimiron était un gardien classique, on va dire, en métal ou en pierre. Et en fait, eh bien, il va perdre son enveloppe charnelle à cause justement du gardien Loken. Donc ça veut dire que les deux gardiens représentant Norganon se sont foutus sur la tronche. La différence, c'est que Mimiron l'ignorait et Loken est venu l'assassiner secrètement. Et en l'occurrence, eh bien, Mimiron va perdre donc son enveloppe charnelle et ses fidèles serviteurs vont arriver à temps pour pouvoir eh bien, sauver une partie de Mimiron, notamment en fait son intellect, son cerveau et son essence, son esprit, et ils vont en fait tout simplement eh bien, lui trouver un nouveau corps en le construisant à leur image. Donc ils vont construire une espèce de super méca-gnome, en fait un grand méca-gnome qui eh bien, représentera Mimiron et qui sera son enveloppe physique. Donc ce n'est pas son apparence initiale. Et au final, eh bien, ça montre d'ailleurs que les méca-gnomes, même s'ils ont, un libre arbitre pas forcément ultra présent aux origines d'Azeroth, eh bien, ça montre quand même déjà leur grande capacité d'adaptation et le côté bien sûr bâtisseur et l'ingéniosité qu'ils font preuve pour sauver leur créateur, à savoir Mimiron. Donc Mimiron va finir, on va dire, un petit peu traumatisé par cet événement. Et au final, le Mimiron que l'on a, ce n'est qu'un reliquat du Mimiron qui a été tué, puisque il a un petit peu le délire robotique, c'est-à-dire que il fait sa charge et il oublie un petit peu ce qui se passe à côté. Et au final, eh bien, la guerre civile des gardiens va d'ailleurs tellement déchirer les forgés par les titans. C'est pas juste un duel Loken et Mimiron, il y a tous les gardiens d'Ulduar notamment qui vont être intégrés à cette guerre civile. Et la guerre civile des gardiens va finalement déchirer les forgés par les titans. Loken ayant choisi de rejoindre les dieux très anciens. Et il va eh bien, fragiliser ses adversaires grâce à la malédiction de la chair. Et la malédiction de la chair, c'est cette malédiction que les dieux très anciens lancent sur les forgés par les titans. Qui normalement ont une apparence de pierre et de métal, ce qui fait qu'ils sont quasi immortels, que ce soit aux blessures, aux coups, mais aussi aux maladies, et en même temps, eh bien, ils peuvent vivre éternellement, puisque ce sont des êtres de pierre, etc. Alors bon, oui, la pierre c'est rude, mais bon, pas trop dans l'univers, un petit peu moins, et puis ils peuvent se rabibocher très facilement. Et donc, eh bien, tout cela va amener, alors encore une fois, ces vidéos de l'ordonnancement d'Azeroth, et vidéos sur... Sur le début de la playlist Warcraft, on va dire. Et au final, eh bien, ça va pousser les survivants des gardiens des titans à partir en fait vers le sud, très loin de l'emprise et de la domination de Loken. Et avec eux, ils partent avec leurs serviteurs. Mimiron est resté à Ulduar, mais une partie des méca-gnomes eh bien, va partir avec tout simplement Arkedas et Ironaya, qui sont les deux grands gardiens d'Uldaman, du complexe titan d'Uldaman situé dans les futurs territoires de Kazmodan. Et avec eux, eh bien, il y a des méca-gnomes. Et au complexe d'Uldaman, il y avait déjà aussi des méca-gnomes qui s'occupaient de la maintenance. Et au final, eh bien, ils vont rentrer en stase vers Uldaman. Tous les terrestres, etc., ayant accompagné du coup, les gardiens vont retourner à Uldaman. Et le problème, c'est qu'ils vont en même temps se partager la malédiction de la chair, ce qui fait que les méca-gnomes, petit à petit, eh bien, vont muter et changer. Et vers moins 3000 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, et là, j'ai fait un bond dans le temps absolument gigantesque, eh bien, en moins 3000 avant l'ouverture d'Uldaman, les méca-gnomes d'Uldaman, du complexe d'Uldaman, eh bien, deviennent petit à petit des gnomes. Et au final, eh bien, en moins 2500, le dernier méca-gnome du complexe d'Uldaman va réveiller les nains, puisqu'il est devenu un gnome normal, enfin il sent qu'il est en train de mourir, et du coup il va réveiller les futurs nains, hein, les terrestres, de leur stase en Uldaman. Donc en fait, pendant que tout le monde dormait, les méca-gnomes continuaient à faire la maintenance, comme ils l'avaient toujours fait. Le problème, c'est que pendant cette stase, eh bien, les méca-gnomes sont devenus tout simplement ce qu'on appelle plus communément des gnomes, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur attribut mécanique, leur attribut métallique plutôt, et au final, eh bien, ils ont cette chair, héritage de la malédiction de la chair, et ce qui fait eh bien, que ces créatures sont plus fragiles que par le passé, c'est-à-dire qu'elles sont mortelles, elles vivent moins longtemps, elles ont des impératifs, par exemple l'alimentation, elles doivent se reposer, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas en forme métallique. Et au final, eh bien, la malédiction de la chair va aussi jouer sur leur esprit, puisque avec cette malédiction de la chair, eh bien, ils en oublient leur objectif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas qu'au fond d'eux, ils ont des choses à faire, ils vont être poussés par
certaines priorités, mais ils n'ont pas le souvenir de tout ce qu'ils faisaient et de tout ce qu'ils savaient lorsqu'ils étaient en Mechagnome. Donc il y a une espèce de quête, une recherche de son passé, une recherche de ses origines. Cet aspect-là du lore des gnomes, d'ailleurs, est très très calqué sur celui des nains. Mais en même temps, ces deux races ont toujours été très cousines dans l'univers de Warcraft, donc c'est pas déconnant. Et au final, eh bien, comme je disais, vers moins 3000, les mechagnomes étant devenus des gnomes vont eh bien, partir un petit peu, justement, faire jouer, ils gardent certains attributs, notamment la curiosité, l'exploration et leur formidable intellect, ce qui fait eh bien, qu'ils vont commencer à explorer autour du complexe d'Uldaman, et ils vont tomber sur des dangers, bien entendu, hein, notamment des trolls, etc. Et finalement, eh bien, lors de l'exploration de la future Kaz'Modan et des montagnes de Kaz, ils vont s'installer dans un endroit qui est protégé naturellement, une barrière naturelle qui leur semble être un abri, on va dire, durable. Et donc, eh bien, cet endroit, vous le connaissez, puisque les montagnes, les falaises bordant l'extrémité ouest des montagnes de Kaz, qui sont d'ailleurs découpées par... parce que c'est aussi des falaises, étant donné que nous avons derrière l'océan, eh bien, les gnomes vont creuser cette installation, vont creuser ces montagnes, vont creuser ces installations et en faire leur nouveau foyer. Nous sommes aux portes, tout simplement, de Gnome Regan, la cité, le joyau de la nation gnome, hein, véritable bijou de la technologie sur Azeroth. Et ça va devenir eh bien, un endroit... Alors, Gnome Regan, on sait que c'est grand, mais en jeu, cela sous-estime énormément la taille de Gnome Regan, tout comme Ironforge, hein, d'ailleurs, Forge de Fer, puisque Gnome Regan, c'est une cité qui, au fil des générations, a été creusée et encore creusée et encore creusée. Donc, nous avons des centaines de niveaux souterrains en fait sur Gnome Regan et des complexes qui s'étendent que ce soit en largeur mais aussi en profondeur en fait. Et donc on sait que normalement d'ailleurs Gnome Regan a un port au final puisque c'est de là qu'ils lancent certaines de leurs habitations navales, hein, on en reparlera après. Donc Gnome Regan c'est gigantesque, c'est un véritable complexe souterrain, ce qui pourrait être assimilé d'ailleurs, et on y reviendra plus tard dans cette vidéo, qui pourrait rappeler par exemple certains complexes nains dans l'univers de l'Heroic Fantasy. Je pense notamment à la Moria des nains du Seigneur des Anneaux, puisque Gnome Regan est gigantesque. C'est vraiment un très 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 grand complexe. Et au final, eh bien, comme je le disais, maintenant qu'ils ont un foyer, la nation gnome est née, et il va y avoir du coup un système politique qui va être mis en place. Et les gnomes, on n'a pas forcément des milliards de détails sur toute leur civilisation et toute la richesse et la culture gnome, mais au final, maintenant qu'on a les gnomes, eh bien, on a un système politique qui est connu, c'est tout simplement une monarchie. Et là, je vous surprends, mais... Eh oui, une monarchie, avec un roi gnome qui règne sur ses serviteurs, et lorsque, eh bien, ce roi gnome commence à être trop vieux, etc., eh bien, il y a son héritier qui prend le relais, et ou alors s'il meurt, parce que, bon, faut pas oublier que les gnomes vont justement mettre le progrès et la recherche vraiment en tête de gondole, hein, c'est vraiment la poupe du navire gnome, ils veulent vraiment y aller à fond, la proue d'ailleurs, la poupe c'est l'arrière, donc la proue plutôt de leur navire, puisque le progrès et la recherche c'est vraiment tout ce qu'ils cherchent, c'est le maître mot de cette jeune nation que sont les gnomes, avec parfois du coup eh bien, des drames et des accidents, puisque jamais en gros ils reculent face à la recherche de connaissances et à l'exploration scientifique également. Donc au final, quand je dis exploration, c'est exploration terrestre, géographie, tout ça, mais aussi l'exploration, vraiment l'idée d'aller toujours plus loin dans les recherches scientifiques et autres, ce qui fait que eh bien, ils essayent, ils ont vraiment une approche très scientifique. Ils essayent. Quand ça marche pas, bah, ils essayent de trouver d'où ça peut venir, etc. Et le problème, c'est que justement, il y a pas mal d'accidents. Parce que les gnomes étant toujours à 200 à l'heure dans ce qu'ils font, il arrive souvent qu'il y ait des accidents plus ou moins graves, on va dire. Donc il peut arriver aussi que le roi gnome eh bien, meure, et à ce moment-là, eh bien, c'est son descendant direct qui va prendre le relais. Et au final, eh bien, les gnomes... Vers moins 2600, les gnomes, on les connaît aussi, puisqu'ils ont un impact auprès des autres races. Alors évidemment, on sait qu'ils ont été en contact avec les nains. Lorsque les nains sortent d'Uldaman vers moins 2500, à un moment donné, ils vont retrouver le contact, les deux races vont renouer le contact. Mais on sait aussi que vers moins 2600, on a une preuve de l'existence de gnomes au sein du premier conseil de Tirith Fall, à savoir le conseil qui va tout simplement, le conseil magique, qui a été formé à Dalaran et qui va être à l'origine de la création du premier
gardien d'Azeroth, à savoir cette espèce de magicien archi-puissant qui a pour mission de défendre la planète face à de futurs, enfin face à des menaces directes ou indirectes. Et en l'occurrence, eh bien, on sait par exemple que l'un de ces mages, l'un du premier conseil, s'appelle Indus ou Indus, et qui est une gnomette qui va prêter de son immense puissance pour pouvoir alimenter le premier gardien. On sait d'ailleurs aussi que ils sont dans les premiers membres au final de la nouvelle cité humaine de Dalaran. Ce qui est d'ailleurs intéressant puisque les gnomes ont toujours été très versés dans la magie parce que c'est déjà une race arcanique, même si leur nature arcanique ne veut pas forcément dire qu'ils sont capables de faire de la magie. Mais le fait qu'ils soient très adeptes, bon, encore une fois, en plus, ils ont été touchés par le titan de la magie, donc c'est pas non plus déconnant. Mais en plus de ça, ils ont un intellect très fort et généralement, l'intelligence est souvent associée aux magiciens. Et c'est vrai que ça, plus leur curiosité, et globalement, ils aiment bien aller chercher un peu partout, c'est pas étonnant qu'ils soient extrêmement bien versés dans les arts magiques. Et au final, on a une autre trace, par exemple, d'un gnome au sein de Dalaran, qui est pas forcément très connu, mais vous allez voir que la personne à qui il est attaché est beaucoup plus connue pour le coup. On connaît un gnome mage qui s'appelle Airbag, qui faisait, alors Airbag, pas ceux des voitures, hein, bien sûr, Airbag, qui fut un des mages qui prêta son pouvoir à un autre gardien que l'on connaît, c'est tout simplement Aegwynn, la mère de Medivh, qui, bon, ça se passe des millénaires plus tard, hein, c'est pas en moins 2600 bien entendu, mais voilà, on a une trace du coup des gnomes dans les premières générations de magiciens de Dalaran, qui se sont joints à cette cité magique qui appelait ouvertement tous les magiciens à venir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je regrette un petit peu pour les gnomes au sein de Dalaran, c'est que on sait qu'ils sont dans les premières heures de Dalaran, on sait qu'ils ont joué on va dire, ils ont eu un rôle important à différents moments clés de Dalaran, et pourtant, à l'heure actuelle dans World of Warcraft, le conseil de Dalaran, le conseil des 6, hein, le conseil dirigeant de Dalaran, n'a pas un gnome en son sein, et malheureusement les gnomes, c'est vrai, on y reviendra aussi plus tard, mais malheureusement les gnomes à Dalaran, c'est pas forcément, ils sont pas forcément traités très sérieusement. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que les gnomes devraient avoir au moins, on va dire, un archimage. Alors moi j'aime beaucoup ce mage parce qu'on dirait un mini Antonidas, mais ça représente bien la structure de Dalaran. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la couleur de Dalaran, qui est souvent associée à la magie, etc., ce qui est intéressant, c'est que la couleur d'Alaran, c'est le violet, et au final, c'est également la couleur de Gnome Regan. Je pense pas qu'il y ait un lien, hein, c'est plutôt une coïncidence, une heureuse coïncidence, mais du coup, ça marche bien, et c'est aussi pour ça que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un archimage gnome, et traité sérieusement, hein, pas Vomilous de tempête de mana de mes fesses. Ce genre de perso, il dessert complètement les gnomes. Hein. Donc, un personnage intéressant. On y retourne avec... Là j'ai fait un petit saut dans le temps, j'espère que je vous ai pas perdu. On était vers les premiers, les prémices on va dire, le début de la civilisation gnome avec ce système de monarchie. Et au final, malgré tout, malgré l'avancée, le développement continu de Gnome Regan, il y a un malaise. Il y a un dilemme qui va petit à petit s'emparer d'une partie de la population gnome à Gnome Regan. Puisqu'il y a toujours ce désir de rechercher leurs origines et d'être toujours plus proche de leur créateur et de comprendre ce qui a pu comprendre leur histoire, comprendre d'où ils viennent, etc. Et au final, ça va commencer pour une partie de la population à tourner à l'obsession. Cette obsession va être présente dans différentes strates de la société gnome et va même atteindre le sommet, puisque le roi de Gnome Regan de l'époque, Mechagon, va lui aussi être obsédé par cette recherche. Et vers moins 400, et je rappelle, moins 400 avant quoi? Avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, donc avant Warcraft 1, ce roi va partir avec sa cour et donc l'ensemble de la noblesse, enfin une grande partie de la noblesse en tout cas de Gnome Regan, vers un caveau qu'ils ont découvert, un caveau légendaire qui serait le caveau de Mimiron, un complexe titan où Mimiron aurait caché des informations et des trésors, etc. Et au final, ce roi va partir donc avec une énorme expédition de gnomes vers cette île mystérieuse, Mechagon. Et ce qui est intéressant, c'est que Mechagon, c'est bête, mais rien qu'en VO, en fait, vous avez déjà le nom Mechagon. Gon, ça veut dire parti. Mecha, donc le mecha qui est parti. Et c'est tout le dilemme, et le fait que le roi s'appelle Mechagon, c'est aussi le roi qui est parti. Et ça, c'est un truc, la source est incroyable, et on l'a tous oublié, c'est le manuel de Vanilla. Alors, c'est pas le roi n'est pas nommé dans le manuel de Vanilla, mais nous rappelle qu'il y a 400 ans, le dernier roi de Gnome Regan a disparu,
Et donc, eh bien, depuis, le système politique a été réformé et changé chez les gnomes. Et en l'occurrence, eh bien, pendant que le roi Mécagon est parti et a atteint justement le caveau mystérieux de Mimiron, eh bien, il va fonder la ville de Mécagon sur le complexe, justement, titan de Mimiron. Et au final, eh bien, une nouvelle nation gnome va émerger, va s'épanouir, les Mécagnomes de Mécagon. Attention, c'est toujours un peu difficile parce que quand on parle de Mécagnome, on peut penser au premier Mécagnome, hein, ceux d'Ulduar et des complexes titans. Et vous avez les Mécagnomes de Mécagon qui sont des gnomes qui étaient, enfin des Mécagnomes qui étaient redevenus, enfin qui sont devenus à cause de la malédiction de la chair des gnomes et qui se remécanisent par la suite. Donc, comme je le disais, Mécagon, petit à petit, là, il va y avoir une rupture entre les deux civilisations puisqu'ils vont rester dans leur coin et explorer les merveilles de Mécagon. Et au final, eh bien, ils vont devenir une véritable légende pour les gnomes restés sur le continent, restés sur Gnomeregan. Donc, ils n'auront plus aucune nouvelle de leur roi et j'ai envie de dire que tel un Lei Shen, le roi Mécagon, hein, eh bien, il va vouloir récupérer leur ancienne forme, d'où le nom Mécagnome, puisqu'ils veulent récupérer leur forme mécanique. C'est pas trop évoqué si c'est une volonté aussi de devenir immortel, mais en tout cas, leur objectif premier, c'était quand même de revenir à leur état premier, à leur première nature, de forger par les titans. Cette nouvelle obsession des Mécagnomes de Mécagon, c'est vraiment le délire vraiment de remécanisation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça reste difficile et pas sans danger. C'est pas comme ça d'un claquement de doigts que tout se fait. Le processus est long, difficile, très risqué. Donc on va essayer eh bien, d'y aller petit à petit. Et donc on commence en fait par remécaniser la société par étapes. En fait. Petit à petit, d'abord un bras, une main, un pied, une jambe, etc., etc. On ne fait pas une remécanisation complète. Et donc ça va prendre du temps, ça va prendre des décennies, voire des siècles. Et du côté de Gnomeregan, comme je vous l'ai dit, eh bien, la disparition de leur roi et d'une grande partie de la noblesse va chambouler complètement le système et l'échiquier politique. Et il va y avoir la mise en place, que je trouve être celle la plus riche, enfin l'une des plus riches de l'univers de Warcraft, puisque on est sur une différence notable et véritable, c'est-à-dire la mise en place d'un système électoral démocratique. Alors attention, moi-même j'ai pu me tromper parfois sur parce que mes restes d'histoire politique et de droit administratif et droit constitutionnel est un peu loin, mais au final, eh bien, ce n'est pas une république, ce n'est pas un système républicain, puisque le principe d'un système républicain, c'est un système donc où le pouvoir est exercé par plus qu'un individu. Or, on n'a pas assez de détails sur le système pour évoquer le fait que c'est une république. Par contre, vu que c'est un système avec élection, c'est une démocratie. Après, ça peut être, bien sûr, hein, y a des démocraties qui ne sont pas forcément, il y a des démocraties indirectes, il y a plein de systèmes dans les démocraties. Et au final, eh bien, donc, on a en gros le peuple gnome qui élit, eh bien, son grand représentant qui va essayer de faire avancer la race gnome, va faire rayonner la race gnome sur d'un point de vue bien sûr intellectuel, scientifique, sur tous les aspects. Et ça c'est super important parce qu'au final le fait que le pouvoir est exercé par un individu, en tout cas tant qu'on n'a pas plus de détails, ça ressemble beaucoup à une théocratie au final, puisque la théocratie, généralement, c'est l'idée qu'on élit un chef religieux, sauf que là, en fait, c'est pas un chef religieux, mais les gnomes, en fait, mettent tellement la science au premier plan de leurs désirs et de leurs objectifs, que ce soit personnel ou sociétal, eh bien, en fait, on a une sorte... En gros, c'est comme s'il mettait la science et qu'il la divinisait. Donc on a un système très proche de la théocratie. Et le truc, c'est que du coup, eh bien, cette personne va être élue au titre de grand bricoleur. L'actuel grand bricoleur, et j'ai envie de dire même dernier grand bricoleur, puisque bah, il n'a pas été remplacé depuis, il s'agit de Gelbin Mekatork, ou Gelbin, j'ai jamais entendu Gelbin en vrai, mais Gelbin, mais vous prononcez comme vous voulez, Gelbin Mekatork ou Gelbin Mekanivel, vous faites, des fois j'entends plutôt Gelbin Mekanivel, mais vous prononcez comme vous voulez. On sait qu'il a été élu très jeune, grâce notamment à son génie, hein. C'est déjà chez les gnomes sont déjà très bien, enfin très très doués et très malins. Alors lui, c'est plutôt le petit génie de la bande. Et au final, eh bien, on sait qu'il a été, il a été élu très jeune et qu'il est toujours le grand bricoleur alors que son âge commence à être reculé. Et au final, eh bien, on ne sait pas s'il a été réélu plein de fois ou si c'est un mandat à vie.
On ne connaît pas la durée du mandat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été élu très jeune et que c'était pas forcément commun pour un gnome d'être élu aussi jeune, puisque l'idée, c'est que justement, on va plutôt élire des mecs qui ont fait leurs preuves, donc plutôt qu'on de la bouteille, généralement. Donc il est connu pour être un des gnomes à avoir été élu grand bricoleur le plus jeune. Et d'ailleurs, au final, eh bien, on parlait de la chronologie, hein, et forcément, la chronologie, elle est faite un petit peu en fonction de la première invasion de la Horde. Et au final, eh bien, les gnomes seront concernés par l'invasion de la Horde, alors pas pendant Warcraft 1, mais pendant Warcraft 2, puisque la Horde va commencer à envahir Kaz'Modan, notamment, eh bien, puisque maintenant elle s'appelle Kaz'Modan, hein, depuis que les nains sont sortis d'Uldaman, eh bien, quand ils envahissent Kaz'Modan, notamment pour faire point de pression et attirer l'Alliance sur Kaz'Modan, et ensuite attaquer par la mer, hein, vidéo sur Warcraft 2, eh bien, les gnomes vont rejoindre l'Alliance aux côtés de leurs cousins, les nains, et vont subir la première vague que j'ai évoquée, hein, une vague d'appât, mais ils vont prendre la première vague de la Horde en pleine tête, en pleine tronche. Ils vont aider les nains, évidemment, à barricader les différentes petites fortifications et bien coûter un lourd tribut aux orques sur le chemin. Mais petit à petit, eh bien, ils vont devoir reculer, et les nains vont s'enfermer à Ironforge, les gnomes vont s'enfermer à Gnomeregan, et on va barricader l'intérieur. Et on sait que le clan orc qui mène l'offensive de Kaz'Modan, c'est le clan Bleeding Hollow, donc l'orbite sanglante menée par Kilrog. Et au final, eh bien, il va en chier, hein. Clairement, ça va être très compliqué pour lui. Et finalement, eh bien, il va même devoir arrêter le siège à terme, parce que ses assauts directs, enfin, un siège, de toute façon, il y a des assauts directs et il y a des assauts plus tranquilles. Il y a des phases d'agression et des phases plus de repos. Mais on sait que bah, ça a été très compliqué pour les orques de briser Ironforge et Gnomeregan. Et au final, eh bien, justement, le clan Bleeding Hollow va devoir se poser devant Gnomeregan et Ironforge et rester en retrait pour, eh bien, parce qu'ils n'arrivent pas à briser les deux forteresses. Donc en fait, bah, ils se bloquent, ils se posent ici, ils posent l'attente et ils vont juste empêcher les nains et les gnomes de sortir pour attaquer la Horde dans le dos. Tout simplement. Globalement, c'est ça. Après, bien sûr, pendant la guerre, il va y avoir des nouvelles tentatives, des nouveaux essais de chaque côté pour briser le siège ou pour enfoncer la forteresse, mais on restera sur un statu quo pendant la guerre. Et les gnomes vont d'ailleurs pas mal fournir l'Alliance en matériel, mais aussi, eh bien, vont fournir de leur, j'ai envie de dire, de leur génie technologique, notamment, comme vous le voyez ici, les machines volantes, hein, les gyrocoptères, qui, à l'époque de Warcraft 2, ne sont pas armés, hein, c'est surtout des outils de reconnaissance, comme je le disais, le côté aventure, etc., marche très très bien, et même si la technologie reste balbutiante, hein, malgré tout, et au final, eh bien, on sait que ça, c'est vraiment le génie de la civilisation gnome, c'est les sous-marins. Eh oui, on le rappelle, Gnomeregan a un port, eh bien, ils peuvent jeter tout simplement leur machinerie à l'eau, notamment les sous-marins, même si les sous-marins, il n'y en a pas beaucoup, et que il y a aussi des accidents, on va dire, mais eh bien, ils ont des sous-marins, et ça, pour le coup, c'est vraiment avec un système de lance-torpille. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très avancé technologiquement, même si c'est pas toujours très fiable et que ça reste très rare. Au final, les gnomes, eh bien, vont remporter la deuxième guerre aux côtés de l'Alliance, et pendant les événements de Warcraft 3, à savoir de la troisième guerre, les gnomes vont assister de nouveau l'Alliance en logistique. Ils vont même envoyer certains des leurs aider l'Alliance dans le continent nord de l'Ordéron. Mais sauf que le problème, c'est que il y a même, voilà, encore une fois, je disais, il y a certains volontaires qui partent pour aider l'Ordéron, d'autres étaient déjà présents, puisque globalement, en rentrant dans l'Alliance, eh bien, il va y avoir beaucoup plus d'échanges à la fois commerciaux et de peuples. Hein, tout simplement, hein, des flux de personnes, hein, donc des gnomes qui vont s'installer chez leurs cousins les nains, d'autres qui vont s'installer en Lordaeron, à Dalaran, etc. Donc on a un échange, on a un flux. Mais au final, eh bien, les gnomes, pendant la Troisième Guerre, vont être pas mal bloqués de leur côté, puisque ils vont affronter petit à petit une nouvelle menace terrible qui va d'abord menacer uniquement les gnomes avant de se répandre un petit peu partout dans le monde. Et cette menace surgit des profondeurs. Il s'agit de l'une des races les plus terribles de l'univers de Warcraft et qui pourtant est très souvent minimisée et rabaissée, alors que c'est une race qui, sur le papier et dans le manuel de Vanilla notamment, les Trogs sont considérés comme l'une des menaces les plus dangereuses pour les peuples natifs d'Azeroth, puisque la menace, j'ai envie de dire, pas ultime, mais l'une des grandes menaces de Vanilla, ce sont eux, ce sont les Trogs. Les Trogs, aujourd'hui, on considère que c'est de la merde, mais je me dois de rappeler un petit peu ce que sont les Trogs. C'est une race de forgés par les Titans, la première race d'ailleurs de forgés par les Titans,
qui va, enfin l'une des premières en tout cas sur Azeroth, qui va être complètement incontrôlable et même les titans, même eux n'arrivent pas à les contrôler et les faire rentrer dans le rang. Et ces créatures vont soit être détruites, soit s'enfouir tout au long, très fond dans les profondeurs. Très loin dans les profondeurs, pardon, le tréfonds, c'était le passif. Et au final, eh bien, cette race qui est cousine du coup des gnomes et des nains, eh bien, vont être redécouverts des milliers voire millions d'années plus tard, puisque eh bien, le système grand complexe souterrain de Gnome Regan, eh bien, ils vont continuer de creuser. Et au final, eh bien, les gnomes, en creusant très profondément, eh bien, vont tomber sur une galerie de Trog. Et au final, c'est une race qui est ultra résistante. Mais je sais que ce mot est souvent utilisé à tort et à travers. Cette race, elle est quasi impossible à tuer. Les Trogs sont extrêmement résistants de par leur nature. Et au final, eh bien, il va y avoir une véritable guerre des profondeurs, guerre dans les couloirs souterrains de Gnome Regan entre les gnomes et les Trogs, avec les gnomes qui vont absolument tout balancer, tout essayer pour pouvoir repousser les Trogs. Mais petit à petit, les niveaux inférieurs vont complètement tomber sous la menace gnome, sous la menace troll, pardon, trog, excusez-moi, sous la menace trog. Il y a les trolls à l'extérieur, mais là c'est les trogs à l'intérieur. Et au final, eh bien, les trogs, en plus leur flow ne fait que continuer. Alors bien sûr, les gnomes arrivent à en tuer, mais globalement, les trogs sont, comme je le disais, extrêmement résistants. Ils résistent au métal, donc aux armes gnomes, aux armes de poing, etc. des gnomes, mais aux balles aussi, hein, aux fusils, puisque les gnomes ont la connaissance de la poudre à canon. Donc ils résistent au métal, ils résistent au gaz, hein, dans les couloirs, eh bien, les gnomes vont essayer, justement, c'est des couloirs souterrains, ils vont essayer de gazer les trogs, ils résistent au gaz. Les magiciens et les gnomes ont des systèmes de projection de feu, que ce soit par magie ou par technologie, mais ils sont résistants aux flammes. On va utiliser les pouvoirs de l'ombre, les pouvoirs de magie noire que les démonistes gnomes lâchent sur leurs adversaires. Ils résistent aussi. Comme je l'ai dit, ils résistent aux armes, j'ai envie de dire, à propulsion. Donc globalement, tout ce qui va être arme à feu, arme à distance globalement. On va tester l'électricité sur eux. Ils résistent à l'électricité. En gros, vous imaginez que les gnomes, pendant tout le conflit, ils essayent absolument tout. Et c'est devenu presque le maître mot, c'est de trouver des outils qui vont pouvoir marcher contre les trogs. Donc ils testent absolument tout sur le champ de bataille. Et au final, c'est très peu efficace. Bien sûr, ils arrivent à tuer des trogs, mais pas assez et pas de manière assez efficace. Et le problème, c'est que pendant ce temps, les leurs meurent en fait. Hein, et les niveaux continuent de tomber aux mains des trogs. Et petit à petit, ils remontent. Et à ce moment-là, c'est là où je vous parlais un petit peu du système de la Moria, un petit peu avec immense bataille souterraine. Il faut imaginer des complexes, le complexe entier avec des niveaux complets où il y a de la bataille. Et en l'occurrence, eh bien, à un moment donné, le recours ultime va être utilisé. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à se débarrasser de ces trogs. Et au final, eh bien, le bras droit de Gelbin Mekatork, qui s'appelle Psycho Thermaplug, à savoir Psycho Thermojoncteur, eh bien, va proposer une arme non testée, qu'ils n'ont pas encore essayé, c'est les radiations. Mekanivel va finalement accepter et ils vont alors relâcher tous les produits toxiques et radioactifs qu'ils ont pu créer pendant leur création pour certaines armes et autres technologies. Ils vont tout balancer dans les niveaux inférieurs afin de noyer les trogs sous les radiations. Le problème, eh bien, c'est que ça marche, hein, ça tue des trogs, mais le problème, c'est que ça va être un véritable fiasco. Parce que déjà, ça tue des trogs, mais pas beaucoup. Pas tant que ça, pas autant qu'on l'aurait espéré. Et au final, même les trogs vont petit à petit acquérir une certaine immunité aux radiations. Et en plus de ça, eh bien, le problème, c'est que la radioactivité va monter, les radiations vont monter dans les niveaux supérieurs. Et ça, eh bien, ça va tuer 80% des gnomes. Mais 80% de la race gnome. Vous imaginez que 80% des gnomes meurent lors de cette catastrophe, de ce drame absolu. C'est un véritable Tchernobyl, mais en puissance. C'est un mélange entre Tchernobyl, Hiroshima, Nagasaki, tout ça ensemble. Une véritable tragédie, c'est catastrophique, c'est presque apocalyptique pour toute une civilisation. Et les gnomes vont devoir fuir Gnome Regan qui est complètement irradié.
et qui est complètement abandonné. Et dans les survivants, un nouveau type de gnome va apparaître, les gnomes lépreux. Alors le mot lépreux est utilisé un petit peu parce que voilà, il fallait bien trouver un mot pour les différencier de leurs copains, et vous les voyez du coup en bas de l'arbre évidemment. Ces derniers habitants de Gnomeregan vont hanter les ruines et les extérieurs de Gnomeregan tels des zombies décérébrés. Et ils sont les véritables stigmates de la tragédie, de la chute de Gnomeregan. Certains, malgré tout, alors ça reste une poignée, mais certains ont conservé une partie de leur intellect. C'est le cas notamment du mec-génieur, du mec-génieur Siko Thermaplug. Alors, Siko Thermaplug fait partie des rares persos où son prénom a été traduit par la localisation française. Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Mais Siko, donc S-I-2-C-O, a été traduit en psycho. Donc sa mère l'aimait vraiment pas. Et au final, Thermaplug a été traduit en thermojoncteur, même si plug et therma, thermal, donc ça existe en français. Et au final, ce personnage, Siko Thermaplug, a toujours jalousé Mécanivelle. Même si c'était l'un de ses meilleurs amis et l'un de ses plus proches conseillers, on sait qu'il a toujours jalousé son statut de dirigeant, mais aussi le génie et l'intellect. Ne pas être à la hauteur de son génie a toujours été quelque chose qui l'a profondément blessé, on va dire. Et il a en plus toujours été le conseiller de l'ombre de Mécanivelle, et finalement, c'était toujours Mécatorque, Gelbin, qui prenait les honneurs, et ça l'a complètement radicalisé au fil des années. Et au final, il est responsable en partie du drame Trog, plus des radiations, parce que même si, tôt ou tard, les Trog allaient sortir, en fait, il a été au courant très très tôt de la découverte des Trog, et il a minimalisé en fait la menace, ce qui fait que les gnomes étaient encore moins prêts qu'ils auraient... De toute façon, ils auraient eu des problèmes, mais ça n'a pas aidé, ça n'a vraiment pas aidé. Et au niveau des radiations, il se doutait qu'il y allait avoir des contre-coups. Et au final, il y a eu une espèce de sabotage de l'intérieur, même si de toute façon les radiations allaient être utilisées et ça allait mal se passer. On sait que il a une petite part de responsabilité dans le drame. Et au final, c'est aussi pour ça qu'il a réalisé ceci, ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi. Mais là, c'est pas Blizzard qui l'a expliqué, mais ça expliquerait aussi peut-être pourquoi lui il est immunisé. C'est peut-être qu'il avait pris des mesures en attendant le résultat, et que lui et ses plus proches conseillers conservent leur intellect. Mais au final, son objectif a réussi. Il est devenu le véritable meneur, leader d'une Gnomeregan, même si au final Gnomeregan, c'est pas comme ça qu'il voulait la diriger et la récupérer. Et il conserve que les ruines au final de Gnomeregan. Enfin, il a l'entièreté du complexe, mais il reste plus grand monde pour lui obéir. C'est le petit bémol. Et au final, les gnomes vont être chassés de leur foyer et vont partir un peu partout, même si principalement être hébergés par leurs cousins nains à Ironforge. Et ils vont avoir carrément leur propre quartier. Et ça va être quelque chose, une épreuve extrêmement traumatisante pour les gnomes, je vous laisse imaginer. Et pourtant, leur optimisme et leur volonté de récupérer un jour Gnomeregan va les pousser vers l'avant. Et au final, il y a une autre branche des gnomes qui va faire son apparition. Je suis désolé de passer d'un moment aussi dramatique à un moment aussi poubelle, mais ça fait partie du lore des gnomes, malheureusement. C'est à Burning Crusade la découverte des gnomes des sables. Les gnomes des sables, on aurait pu se dire, pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gnomes plus proches de la Terre, l'endroit où ils étaient par le passé. Non, c'est une blague, globalement, des développeurs de World of Warcraft, parce que c'est rigolo, ils sont petits. Et donc, les gnomes des sables, on les retrouve dans le désert des ossements, dans la forêt de Terokar à Burning Crusade. Et globalement, c'est un écho aux Jawa de Star Wars et aux Fremen de Dune en version Jawa. Donc, c'est des petits gars dans les sables, en mode sauvage. C'est rigolo. Et au final, il y a zéro lore. D'ailleurs, la plupart des trucs que vous voyez sur les gnomes des sables, c'est des rumeurs. On sait même pas. C'est à vous de faire votre soupe, votre propre popote dans votre coin. Et on sait juste que c'est des gnomes qui vivent dans le sable, globalement pour faire les Jawa, quoi. Et on va les retrouver à Cataclysme, à l'alpha et à la bêta de Cataclysme. Et là, ils auront véritablement un skin très très proche des Jawa. Et finalement, peut-être que même en interne, ils vont se dire qu'on va un petit peu trop loin avec les gnomes et que c'est vraiment pas cool de saboter leur lore comme ça. Et au final, il va y avoir un rétropédalage, machine arrière. C'est
pas des gnomes des sables que vous verrez à Cataclysme Hold'em, mais des cousins, la création des pygmées, qui sont globalement des sortes de gnomes à poil, donc aussi sauvages. Et c'est la création des pygmées, on en reparlera en fin de vidéo. C'est pas fifou, hein. Surtout qu'au final c'est pour faire du Harrison Jones et tous les films clichés des aventuriers qui vont en Afrique, etc. Apporter la civilisation aux petits sauvages, donc c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible et c'est un euphémisme. À Wrath of the Lich King, nous rencontrons des méca-gnomes évidemment à Ulduar et autour du complexe titan d'Ulduar. Et c'est là que nous ferons la rencontre, bien sûr, de Mimiron et d'un autre personnage de Wrath of the Lich King, le Gearmaster, le maître des rouages, Mechazod. Alors, Mechazod, hein, le nom... Vous savez, des fois, malheureusement, le délire science-fiction n'est pas tué dans l'œuf au sein des réunions de chez Blizzard, et ça va un peu trop loin. Et donc voilà, Mechazod, il y avait probablement d'autres noms à lui trouver, mais... Le problème, c'est qu'on va voir que les gnomes, c'est devenu un sujet de blague, même chez les joueurs, mais aussi chez les développeurs, hein, qui sont aussi des joueurs. Et malgré tout, l'intrigue était intéressante, avec Mechazod qui va lancer un délire de remécanisation des gnomes, puisqu'il les voit comme des impuretés, des imperfections, des anomalies, et donc, il veut les retransformer en terrestres. Et c'est d'ailleurs ça qui va inspirer l'intrigue de Battle for Azeroth avec Mechagon. Le problème, c'est que dit comme ça, ça a l'air intéressant. Dans les faits, à Hotelka, c'est traité par-dessus la jambe. Hein. C'est vraiment en mode rigolo. Ha ha ha, je suis un robot, je suis un Megazord, mais version gnome avec une petite moustache. Ha ha ha, c'est rigolo. Et au final, à Cataclysme, on les retrouve, nos petits gnomes, puisque, comme je le disais, ce sont des réfugiés, ce sont des véritables... gens du voyage au final, hein, qui vivent un peu partout de très loin, qui louent leurs services, etc. Et qui sont malheureusement généralement mis au ban des différentes civilisations, même au sein de leurs alliés de l'Alliance. Et même chez les nains, des fois, leur excentricité est une source de mécontentement. Ce qui fait que leurs cousins nains, ils sont bien contents à un moment donné de dire aux gnomes, les gars... faut partir maintenant. c'est terrible, hein, mais ils vont gentiment... Bon après... C'est pas non plus, il n'y a pas eu une menace ou quoi que ce soit. Hein. De toute façon, les gnomes voulaient récupérer Mechagnome. Et au final, à Cataclysme, ils lancent l'opération Gnome Regan, qui est cette volonté de récupérer Gnome Regan et qui est une grande avancée dans le lore des gnomes, puisque ils lancent une offensive majeure pour récupérer leur territoire. Et au final, même aujourd'hui, nous sommes à Dragonflight quand je tourne cette vidéo, même aujourd'hui, Gnome Regan n'est pas encore récupérée complètement par les gnomes. Et oui, elle est toujours en phase de reconquête et les gnomes n'ont fait que récupérer les niveaux vraiment supérieurs tout en haut de Gnome Regan. Tous les niveaux ne sont pas nettoyés. Déjà, bien sûr, il y a toujours les radiations qui les empêchent de descendre plus bas. Entre eux, et ils peuvent y aller que par intermittence. Et comme vous les voyez, alors je suis pas très fan de cette armure non plus, mais surtout l'arme. Mais l'idée du scaphandre est assez intéressante dans l'idée que ils peuvent pas, sont obligés d'avoir certaines combinaisons aussi pour reprendre Gnome Regan. Mais entre eux, les trogs qui sont toujours là, eux, hein, les trogs sont toujours là, les gnomes lépreux qui arpentent toujours Gnome Regan et les nains sombre fer qui avaient commencé à infiltrer aussi Gnome Regan et foutre le bordel, hein, parce qu'ils avaient accès à des différentes recherches, différentes ressources. Qui sont pas des, qui sont pas, je le précise, mais pas des nains sombre fer de l'Alliance, mais plutôt ceux qui sont restés fidèles à Ragnaros, tout ça, tout ça. Donc au final, le combat a toujours lieu au sein de Gnome Regan, et encore une fois, il y a ce côté Moria où les différents niveaux sont contrôlés par différentes factions et différentes forces. Ce qui fait, que globalement, malheureusement, les gnomes entre Cataclysme et Battle for Azeroth, ça n'avance pas beaucoup, et malheureusement, les rares gnomes qu'on voit, je vais en reparler après. C'est pas très réjouissant, hein, malheureusement. Et donc, à Battle for Azeroth, on a une nouvelle grande avancée dans le lore des gnomes avec l'opération Mechagon. Et là, quand je saute de Cataclysme à Battle for Azeroth, normalement vous vous dites, mais attendez, il y a un truc de fou. Oui, l'opération Mechagon de Battle for Azeroth, un clin d'œil direct à l'opération Gnome Regan. Ça se voit même dans le nom du méga donjon, l'opération Mechagon. L'objectif étant de récupérer le complexe des gnomes, puisque le prince Erasmin, le fils du roi Mechagon, qui était parti il y a 400 ans et qui est toujours le roi des Mechagnomes, qui était l'ancien roi des gnomes, contrôle la cité et au final Erasmin considère qu'il a trahi l'ensemble de sa race et va vouloir récupérer la cité. On est véritablement dans l'arc de Cataclysme.
Et ce qui est intéressant, c'est que sur le papier, il y a un énorme parallèle aussi avec Vanilla, avec l'idée du roi gnome parti que l'on retrouve, Mechagon. Et c'est un véritable gâchis. Entre la classe Tinker, la classe Bricoleur, la classe Ingénieur, non sortie à l'extension, malheureusement, alors on n'est pas à 100% de preuves là-dessus, mais entre les bruits de couloir, toute la thématique de l'ingénierie, l'agro, pour une fois, le fait que les gnomes soient vachement mis en avant, tout comme les gobelins, qu'on ait une véritable rivalité entre Gallywix et Galbin Mécanivel, aussi les îles inexplorées où on voit un pattern chez l'Alliance et chez la Horde de gnomes ou de gobelins avec un tank. Un tank bricoleur, un DPS bricoleur et un soigneur bricoleur. Tout ça, ce sont des faisceaux d'indices qui nous disent que, plus les bruits de couloir en interne, que bon, apparemment, la classe bricoleur, elle n'a pas eu le temps de sortir pour Battle for Azeroth et c'est bien dommage. Mais ce qui est terrible, c'est. Parce que ça, c'est d'un point de vue gameplay, tout ça, mais ce qui est terrible, c'est de se dire qu'il y avait une thématique de fou furieux en fait. Le roi disparu il y a 400 ans des gnomes est toujours vivant, il est toujours là. Et il règne sur un complexe titan hérité de Mimiron. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas que sous Mechagon, il y a le complexe de Mimiron. Ça a été dit dans les interviews, c'est-à-dire à l'extérieur du jeu, même pas in-game. Et imaginez le choc pour les gnomes. Le roi, leur ancien roi, le dernier roi légitime de Gnomeregan est toujours en vie. Ça doit être un véritable choc et ça devrait provoquer un schisme au sein de la population gnome, avec certains qui se disent bah c'est le roi légitime. En plus, il y a cette idée de mécanisation, de remécanisation, et donc de redevenir les forgés par les titans, et donc de rejoindre le plan de leur propre dieu, même si bien sûr il n'y a pas une vénération des titans comme chez les nains. L'idée de redevenir, de se remécaniser. Et ça, c'est malheureusement pas du tout traité. Et ça, c'est. Ça a été traité dans la BD que j'ai d'ailleurs analysée, lue et analysée à Battle for Azeroth, la nouvelle sur les gnomes. La BD sur les gnomes. Mais en dehors de ça, et en jeu, c'est pas du tout évoqué, c'est pas du tout développé, il n'y a pas ce lien. Et c'est vraiment terrible parce que voilà, encore une fois, eh bien, on aurait pu avoir une partie de ces gnomes qui auraient rejoint Mechagon et éventuellement. Et bien justement, pour pas faire juste une intrigue gnome qui aurait peut-être un peu saoulé les autres joueurs, je veux dire, le nombre de races jouables à l'heure actuelle qui sont des ancêtres, enfin des ancêtres des forgés, non pardon, des descendants des forgés par les titans, pourquoi pas par exemple des gobelins, des nains, même des humains au final, qui auraient été séduits par le discours de Mechagon qui aurait proposé ça à l'ensemble des peuples anciennement forgés par les titans. Ça aurait été vraiment intéressant. Même les orques, au final, sont des anciens forgés par les titans. Donc on aurait pu avoir ça. On aurait pu avoir un vrai sujet de fond traité avec maturité et sérieux. Ou en fait, eh bien, ça aurait créé une espèce de schisme au sein des races de l'Alliance et de la Horde, en pleine boue, en pleine guerre entre eux et avec le vide. Il y avait une véritable intrigue très intéressante où les gnomes auraient été l'acteur principal, le cœur de cette histoire. Et au final, le prince Erasmine, le fils du roi Mechagon, qui considère les mecs de l'Alliance, les gnomes de l'Alliance et les mecs de la Horde comme juste eux, ils sont neutres, du coup, il veut pas en entendre parler, tout ça, pour qu'à la fin de Battle for Azeroth, en fait, il part en mode full Alliance parce que y a deux gnomes qui lui ont dit ouais, Mechanivel, il est vachement bien en fait, Galbin, super cool, tu verras, il est génial. Le mec, Erasmine, on sent qu'ils en avaient rien à foutre, hein. Erasmine, à la fin de Battle for Azeroth, il cède son peuple à un gars qui vient de rencontrer, qui était coincé dans un bloc de glace. Il l'aide à sortir de son bloc de glace. Et finalement, eh bien, il cède son peuple comme ça, sur un coup de tête, à Gelbin Mekatork. Alors, Gelbin Mekatork est plutôt un mec cool, hein, même s'il a son lot de responsabilités sur les mains, notamment la chute de Gnomeregan. Le mec lui laisse son peuple comme s'il lui avait laissé les clés de bagnole, alors qu'il ne le connaît pas. Et en plus, c'est pire que ça. Mécanivelle devient le roi de tous les gnomes. Alors déjà, ceux qui avaient la ref, parce que nous on l'avait même pas avec Evanessor, hein, qui m'a aussi aidé à développer cette vidéo, on l'avait pas ce truc de. Enfin, je veux dire, il a fallu, pour préparer cette vidéo, relire le manuel de Vanilla et tout, et faire. What the fuck, en fait, c'est génial! Le délire des 400 ans et tout, le lien entre Battle for Azeroth et Vanilla. Et ils en parlent pas en jeu! Du coup, à la fin, ça sort comme ça, en mode, oui, en fait, bah, c'est le roi de tous les gnomes. Mais vous avez le seul système démocratique de l'univers de Warcraft!
Et vous le dégagez pour une monarchie à la con que toutes les races ont. C'est terrible. Et ça balance comme ça. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans Star Wars 3, vous savez, où il y a Amidala, il y a Padmé Amidala qui dit voilà, c'est comme ça que la démocratie meurt, sous une pluie d'applaudissements. Voilà, comme ça, paf, c'est fini du système démocratique. Mais Canivelle, en fait, c'est Palpatine, le mec. Il était dans son ice block, tout le monde a fait, il était bien quand même. Hein. Allez hop, tiens, on te confie le pouvoir absolu. Genre, what the fuck. Et c'est traité, même pas sérieusement, c'est traité complètement par-dessus la jambe, en mode, Osef, on s'en fout, ça dégage, c'est fini, hop, c'est réglé. Et c'est terrible pour les gnomes, encore une fois, de voir l'ensemble, je dirais, de l'univers dans World of Warcraft, voir un arc aussi intéressant à Vanilla qui au final finit un arc aussi sérieux que ce soit dans Vanilla, mais aussi repris comme je disais par la BD dans Battle for Azeroth, un sujet aussi mature, aussi intéressant, aussi sérieux, qui peut poser de vraies questions. Il y a l'idée de la transhumanité, même si c'est généralement un thème de science-fiction, il peut tout à fait être remis dans un thème d'heroic fantasy tant que la technologie est quand même plutôt contrôlée par les développeurs. Mais en l'occurrence, bah ça sera un sujet qu'on verra dans une future vidéo. Mais au final, en plus, à Battle for Azeroth, la classe vraiment qu'aurait mis en avant les gnomes, à savoir le Tinker qui est abandonné, et globalement, en fait, tous les sujets où les gnomes sont intégrés, c'est généralement du pouet-pouet, lol, JPP, hein, c'est vraiment le bouton pointe-pointe. Voilà, on va faire des blagues, ça explose, ça fait bim-bam-boum. C'est les blagues de geek en mode le scientifique qui est un petit peu excentrique et qui fait des, qui dit des trucs qu'on comprend pas, puis à la fin, il fait « Ah oui, vous êtes trop con pour comprendre, donc je vais vous traduire ». Et ça, c'est en permanence. Dès que vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai un donneur de quête, c'est un gnome, j'ai peur. J'ai très très peur. Alors si en plus c'est un dragon de bronze, non pardon. Mais du coup, eh bien c'est vrai que ça fait mal à la race gnome. Même si je pense que le Tinker arrivera un jour ou l'autre dans World of Warcraft, hein, puisque si la classe était quasiment bouclée à Battle for Azeroth, il y a de grandes chances qu'elle sorte dans une future extension. Mais malgré tout, ça me fait un peu peur, parce que si la technologie n'est pas contrôlée et qu'en plus c'est du pouet-pouet, ça me fait un peu peur. Et pourtant, c'est une classe que j'attends, hein, vidéo sur les futures classes de Warcraft, que je mettrai aussi dans la description de les fiches en haut, mais c'est une classe que j'attends, personnellement. Et au final, pour aborder les gnomes, on ne peut pas ne pas évoquer leur rivalité, leur grande rivalité historique avec les gobelins. Parce que ce sont tous les deux les archétypes de l'heroic fantasy au niveau de la science, de l'ingéniosité, qui sont généralement des petits scientifiques foufous qui font un peu n'importe quoi, ça leur pète entre les doigts, mais c'est pas grave, ils continuent de tester et de bidouiller. Et ce sont toutes les deux des races férues de technologie. Ce qui fait évidemment les deux grands candidats parfaits pour représenter la classe du Tinker, la classe du bricoleur, la classe de l'ingénieur. Même si j'ai encore une fois très peur du pouet-pouet, ce que je vais appeler le pouet factor, le fait que ce soit juste une usine à blagues pas drôle, parce qu'en plus le pire c'est que c'est même pas drôle, parce que si à la limite c'était drôle, mais c'est même pas drôle. Alors c'est sûr que sur 100 blagues, il y en a une qui fera mouche à un moment donné, mais ça veut dire qu'il y en a 99 autres qui sont pas drôles. Donc c'est toujours un peu délicat. Et pour aller plus loin dans la rivalité gobelin-gnome, je vous avais parlé des pygmées. Eh bien, à Cataclysme, avant que Chronicle sorte, il y avait le manuel de l'aventurier, tout ça, qui nous apprenait des choses, hein. C'est un catalogue qui nous apprenait qu'en fait, avec notamment aussi des réponses aux questions de la communauté, et au final, eh bien, on savait qu'il y a peut-être un lien dans la généalogie. À ce moment-là, elle serait pas tout à fait complète, mais il y pourrait y avoir un lien entre les gobelins et les gnomes, puisque les gobelins, c'est pas encore attesté dans le lore, mais ça pourrait l'être avec le temps, et ce serait pas déconnant, puisque ils ont toujours été traités comme des cousins assez rivaux, sachant qu'il a été attesté que les gobelins ont des liens, sont du même genre que les pygmées. Ils ont des liens avec les pygmées qui feraient d'eux, à ce moment-là, des anciens forgés par les titans, même si on sait pas vraiment si les pygmées sont à coup sûr des forgés par les titans. Et soit, du dériveraient des gnomes, soit ils seraient tout simplement des créatures natives d'Azeroth. Ce qui commence à être une espèce rare d'ailleurs. Et cette image est une image officielle qui est sortie dans Hearthstone et qui montre justement l'ancêtre des gobelins. Et c'est vrai qu'il y a un gros côté gnome ou justement pygmée, donc qui fait aussi un petit peu trog. Donc on aura probablement des réponses plus tard dans l'avenir, et peut-être qu'un jour, eh bien en fait, gnome et gobelins auraient une certaine parenté.
dans leur histoire, dans l'histoire des deux espèces, même des deux familles, je dirais. Et donc, eh bien, affaire à suivre, ce serait pas vraiment déconnant. On va pas se mentir, je pense que personne serait sous le choc, comme oh, quoi, ils ont rien à voir. Ce que je veux dire. Après, ils peuvent avoir des rivalités sans être liés par le sang, hein, bien entendu. Et au final, eh bien, j'ai envie de conclure un petit peu cette vidéo. On aura fait une longue vidéo déjà sur les gnomes. Mais les gnomes ont un rapport avec la technologie assez particulier. Et dans les licences de fantasy, il faut faire attention avec ça. J'ai un jour sorti une vidéo sur la technologie dans Warcraft et la science-fiction dans Warcraft. Je pense que je ferai deux vidéos à part, même si elles sont très corrélées l'une à l'autre. Et généralement, comment on fait pour contrôler un peu la technologie dans l'heroic fantasy? On fait en sorte qu'elle ne soit pas fiable. Bah oui, parce que si la technologie est fiable... Ah, vous avez plus besoin des épées, des boucliers, des chevaliers, vous avez plus besoin de la magie, puisque la technologie remplace tout. Alors il y a des univers, hein, bien sûr, où c'est justement les univers steampunk, etc., où eh bien, la technologie fonctionne très bien et remplace la magie. Mais c'est pas le cas dans Warcraft. Donc, généralement, pour faire ça, eh bien, il faut faire en sorte que ce soit pas fiable, ou que ce soit extrêmement compliqué à produire. On peut pas produire ça en masse. Et donc, eh bien, c'est pas forcément toujours bien fait, bien réalisé par les développeurs dans World of Warcraft, malheureusement. Donc, ce sera un sujet qu'on abordera plus tard, et faites attention à ça toujours, quand on trouve ça rigolo, des petits trucs et tout, bah ouais, mais ça peut mettre en danger aussi la licence, malheureusement, avec le temps. Et je dirais que le principal souci des gnomes, et j'en avais pas mal parlé tout au long de la vidéo, c'est le manque de sérieux et le manque de maturité avec lequel ils sont traités. Et... disons que les joueurs, alors qu'ils soient gnomes ou pas, hein, n'aident pas non plus à prendre au sérieux les gnomes, et les développeurs du coup eh bien, sont tout aussi jambons là-dessus et vont tout simplement eh bien, traiter ça par-dessus la jambe. Et c'est vraiment triste parce que ça leur nuit énormément, et alors qu'ils ont un bagage loristique, un bagage d'histoire super intéressante et super mature. Et c'est assez ironique, je trouve, que au final le gnome et le tinker, le bricoleur notamment de Warcraft 2, et au final, bon c'était le gobelin, mais de Warcraft 3, soit finalement présent dans un grand concurrent avec des anciens de chez Blizzard qui est Riot, sous la forme d'Emerdinger, où ils ont créé une espèce de race gnome, les Yordle, même si au final les autres ressemblent pas trop à Emerdinger. C'est vraiment, Emerdinger est assez unique parmi les Yordle, mais au final, eh bien, Emerdinger, c'est justement l'archétype du bricoleur gnome. Et au final, eh bien, même si ça reste un personnage fun, il y a des moments où il est traité avec beaucoup de maturité et beaucoup de sérieux. Et on le voit notamment dans la série Arcane, où le personnage, c'est un petit peu le côté Yoda de la technologie, et il est ultra intéressant, et je le trouve vraiment très attachant, Emerdinger, dans la série Arcane. Et c'est un peu comme ça que je voudrais que les gnomes soient traités. Il peut y avoir de la légèreté chez les gnomes, ça marche très bien, mais il y a aussi toute une... on va dire, l'humour faut doser. Il faut un dosage, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est chiant, sinon c'est lourd, sinon on s'emmerde. Et ça nuit évidemment à tous les enjeux dramatiques d'une histoire. Donc il faut faire attention, il faut faire un dosage, et malheureusement aujourd'hui chez les gnomes, le dosage est vrai. Les contes sont pas bons, Kevin. Les contes sont pas bons, et malheureusement, eh bien, les gnomes sont trop rarement traités sérieusement. Mais bon, j'ai pas envie de vous quitter. J'ai envie de vous quitter sur une note d'espoir, bien sûr. Alors les gobelins s'en sortent bien mieux récemment, entre Contes et Légendes, Gazle Gallywix et même l'armure héritage des gobelins, ils s'en sortent bien mieux que les gnomes. Mais malgré... bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein, qu'on soit clair. Mais il y a du mieux chez les gobelins. Donc peut-être que pour les gnomes, ça peut se remonter. Mais il y a malgré tout de l'espoir, notamment avec deux de ces personnages, Kelsey Steelspark, ou Kelsey Étain Acier, qui était un personnage rigodrôle et petit à petit, qui est de plus en plus développé de manière intéressante. Elle fait partie de ces gnomes, justement, qui aidaient Erasmine à libérer Gelbin Mécanivelle dans l'arc de Battle for Azeroth. Et honnêtement, elle a été traitée... alors, elle fait toujours des petites blagues, tout ça, mais... je trouve que, globalement, le personnage devient de plus en plus sérieux. Et à côté de ça, on a Saffronetta Fleavers, qui est un personnage de Before the Storm, donc le livre qui servait à amener le contexte de Battle for Azeroth, était super attachant et super intéressant dans le livre Before the Storm, donc avant la tempête. Et honnêtement, on la retrouve un petit peu à Mechagon, et je la trouve vraiment très très cool, et ce sont vraiment pour moi des symboles d'espoir qui pourraient pousser justement un développement beaucoup plus sérieux et beaucoup plus légitime pour la race gnome.
Donc voilà, il y a quand même de l'espoir, même si c'est vrai que c'est difficile d'être gnome dans la licence Warcraft, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci des messages de soutien que j'ai reçus concernant les gnomes. C'est vrai que bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une minorité aussi silencieuse qui vienne me voir avec beaucoup d'amour. Donc vraiment, merci à vous. J'espère que j'aurai pu vous rendre un petit peu hommage avec cette vidéo et que vous avez, j'espère aussi que vous avez appris des trucs. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous le SOS RP des gnomes et cette vidéo si jamais il y en a qui seraient un petit peu trop méchants à l'égard des gnomes, évidemment. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. N'hésitez pas, voilà, likez, commentez pour rendre plus visible cette vidéo ainsi que la chaîne YouTube. N'hésitez pas à consulter la description avec les vidéos que j'ai pu évoquer, tout simplement, oui, dans la description et pendant la vidéo. Donc voilà, plein de bisous, passez une très très bonne journée ou soirée et on se dit à bientôt.